y aller. Mesdames, messieurs, j'inviterai maintenant Michel Goulet à prendre la parole. J'ai bien fait de me préparer un petit texte parce que j'aurais eu beaucoup de misère à vous adresser la parole. Une seule autre fois dans ma vie, j'ai été plus secoué que ce soir et je m'en souviens même plus. Quand je regarde le déroulement de ma carrière, je crois sincèrement que c'est à Québec que je devais jouer. Les facteurs qui m'ont amené à développer mes habiletés naturelles de hockeyeur, je les dois à ma propre culture, à mon environnement. Après tout, c'est sur un étang à Péribonka que j'ai chaussé les patins pour la première fois. Quand on dit que le hockey est dans les racines des Québécois, j'en suis la preuve. En 1979, j'étais plus que fier de faire mes débuts dans la Ligue nationale de hockey à Québec. Je n'oublierai pas mon séjour avec les Remparts. J'ai passé les plus belles années de ma carrière ici avec les Nordiques. J'en conserverai toujours de nombreux et de très heureux souvenirs. J'ai côtoyé des coéquipiers extraordinaires. Ce soir, je veux simplement profiter de l'occasion pour les remercier. Je voudrais également remercier les Nordiques de cette très belle cérémonie. C'est un très grand honneur pour moi de voir mon chandail accroché à côté de ceux des grands joueurs tels que Jean Béliveau, Jean-Claude Tremblay et Marc Tardif. À ma famille, à mes parents et amis, à André et les enfants, votre amour et votre présence m'ont permis de réaliser mon rêve, soit de faire une carrière au hockey. Je me sens privilégié d'avoir pu compter sur votre support inconditionnel. À tous les partisans et supporters, j'aimerais vous dire un chaleureux merci pour toutes ces belles années où vous avez été derrière moi. Du fond du cœur, un gros merci. Michel Goulet. Mesdames, Messieurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à...